Stéphanie du 17e arrondissement. Bonjour amoureux de Paris. Tout d'abord, merci à Geoffroy Boulard, maire du 17e, pour son enthousiasme lorsque je lui ai parlé de mon projet sur le quartier Monceau. Sa bienveillance et sa jolie préface témoignent de l'écoute attentive qu'il accorde à tous. Je m'appelle Danielle Rousseau-Écardi. Durant 25 ans, j'ai été administratrice du musée de Montmartre, là-haut sur la colline, à une époque où ce lieu dégageait une atmosphère très provinciale. J'ai contribué au classement des archives, une vraie caverne d'Ali Baba, exécuté le premier inventaire sur Internet dans les années 1985, et ensuite dirigé le centre culturel pendant 15 ans et pris la présidence de ce musée privé pendant 5 ans. Et j'ai habité durant 20 ans une maison dans le quartier des Épinettes, et depuis mon veuvage, je demeure dans le quartier de la Plaine Monceau, avec mon petit équel à poil dur, mis à l'honneur dans l'ouvrage que je vais évoquer, car il m'a permis de sillonner ce quartier en bonne compagnie. Le quartier de la Plaine Monceau et son parc résonnent de curiosités peu communes, de richesses architecturales impressionnantes, et on ne peut que l'aimer. C'est donc au fil des promenades que mon regard s'est trouvé peu à peu initié au fourmillement des détails ornementaux, m'imprégnant ainsi des extravagances bourgeoises et du style de vie d'une époque encore très proche de nous. Cette imagerie à ciel ouvert ouvre bien évidemment différents volets sur des décors, des objets qui tracent pour l'éternité des souvenirs passionnants. Tout d'abord, telle une scène théâtrale, le parc Monceau donne le ton. Et bien qu'il soit sur le 8e arrondissement, nous ne pouvons l'occulter. Il est le complice d'un parterre florissant d'hôtels particuliers et de personnages hauts en couleur. Dans notre promenade, et bien que nous n'ouvrons pas la porte des habitations par discrétion pour les occupants actuels, l'histoire fascinante du patrimoine urbain et de la vie du 19e siècle parisien interpelle. En effet, elle commence avec le parc Monceau, qui, comme chacun sait, acquis en 1769, était la folie du duc de Chartres, Louis-Philippe II d'Orléans, 1747-1793. C'est donc l'époque des folies. Elles prolifèrent dans les faubourgs parisiens, accueillant beaucoup de liaisons clandestines. La mode est d'un exotisme très recherché et elle s'agrémente de fabriques, dont nous pouvons encore voir le vestige aujourd'hui dans le parcours végétal du parc Monceau. Le duc de Chartres subit le sort de la guillotine lors de la résolution de 1793. Aussi, son parc s'en trouve délaissé durant de nombreuses années. L'espace de 26 hectares, abandonné aux promeneurs, permettra à l'aérostier André-Jacques Garnerin, 1769-1823, de réaliser le premier saut en parachute de l'histoire, le 22 octobre 1797. Plus d'un demi-siècle après, c'est en 1852 que les financiers banquiers Pereire et la ville de Paris rachètent les lieux à la famille d'Orléans. Napoléon III et le baron Haussmann décident en 1860 de rendre public seulement 8 hectares du parc initial et de créer autour un quartier résidentiel. Tandis qu'au sud des jardins, sur le 8e arrondissement, vont véritablement s'édifier des palais, occupés par les familles Meunier, Camondo, Cernucci, l'urbanisation s'organise alors sur la parcelle campagnarde dite Monceau, un hameau de quelques âmes autour d'une demeure seigneuriale, au milieu de terres dévolues aux chasseurs royales. Il faut un peu d'imagination pour situer l'endroit. Sur la place de Lévis actuelle, centre de cet ancien village de Monceau, et se rappeler la date de 1429, car c'est ici que Jeanne d'Arc, 1412-1431, bivouaque avec ses troupes pour aller combattre les Anglais. À la demande de Louis XVI, 1754-1793, l'architecte Nicolas Ledoux, 1736-1806, a construit entre 1784 et 1790, sur le mur des fermiers généraux, 47 barrières d'octroi, munis de pavillons très différents les uns des autres. Ne pas confondre avec l'enceinte de Thiers, dit fortif, destinée à défendre Paris, qui comprenait 23 barrières d'accès achevées en 1845. La barrière de Chartres a donc une vocation fiscale à rez-de-chaussée. Et dans le dôme, elle reçoit un salon sur un balcon circulaire, d'où le duc s'est octroyé le droit de contempler la campagne. Les terres qui sont mises en vente attirent de nombreux acquéreurs, et la spéculation aidant, les propriétaires, ayant la patience d'attendre le moment opportun, en tireront d'excellents profits. Malgré la chute de l'Empire, malgré la Commune sanglante, la jeune Troisième République s'engouffre également dans les traces architecturales du bâti parisien. Banquiers, industriels, haute bourgeoisie, peintres renommés, mais aussi courtisanes, se ruent sur la Plaine Monceau à la recherche d'un terrain et d'un architecte. Celui-ci, à l'époque, est un homme très courtisé. Ce bâtisseur a une clientèle fortunée et il sait entretenir un réseau de relations.
avec des constructions spectaculaires. Il emprunte aux anciens des ornements qui marqueront le caractère de la plaine Monceau. Il se déplace à domicile avec différents plans et catalogues sous le bras, oriente le choix de ses clients. On appelle cette démarche de l'historicisme sur catalogue. L'émergence de l'éclectisme multiculturel s'exprime alors dans une ornementation des façades très chargée. Le style Renaissance, Louis XIII, les balustres Louis XIV, le style Louis XVI, les fenêtres à meneaux, les décors gothiques, le baroque, tout est à la mode. La demande des gens fortunés est énorme pour une hypertrophie de l'ornementation. C'est ainsi que d'une voie à l'autre, on retrouve souvent la signature de l'architecte, rarement celle du sculpteur. Ce dernier augmente pourtant spectaculairement le prix de la construction. L'époque laisse peu de traces de ses bâtisseurs car il n'y a pas de tenue d'un tableau d'architecte. L'ordre des architectes ne voit le jour qu'en 1945. Durant plus d'un demi-siècle, la ruée vers la plaine Monceau est spectaculaire. Les artistes en recherche constante de lumière se font construire des hôtels particuliers avec de grands ateliers, toujours orientés nord. C'est ainsi que certaines rues, et je citerai la rue Ampère, de la place d'Israël à la gare Pereire, sur gauche, affichent un nombre record d'ateliers côté Ampère. Le cheval est alors roi dans Paris. Les grands hôtels particuliers ont tous leur écurie. 80 000 chevaux arpentent ainsi le paysage urbain. Le crottin attire les nombreux moineaux. Les odeurs n'en sont pas moins très fortes. Et certains riverains, pour atténuer le bruit des sabots, mettent de belles couches de paille sur le pavé qui sont en bois. Il y a cependant des trottoirs pour faciliter la circulation dès 1850. Avec la disparition du transport hippomobile, les écuries sont reconverties en parking ou en habitation. Chaque immeuble parisien cache sur cour soit un deuxième immeuble, soit un petit hôtel particulier et bien souvent un coin de verdure. Mais lors des promenades, la variété des porches, des portails, des portes cochères, des portes individuelles sautent aux yeux, en bois massif, ciré, patiné ou peint, et personnalisé par des ornements, comme le heurtoir. C'est l'accessoire principal. Il est en ferronnerie muni d'un marteau et d'un point d'appui, un clou que l'on frappe pour alerter de sa présence et pousser la porte. Bien souvent, ce heurtoir indique un message et représente la personnalité du propriétaire. C'est en quelque sorte sa carte de visite. Dans ce musée de plein air, le poussoir de porte ou marteau est anneau ou maillet pendeloque. À l'origine en fonte, puis en fer forgé, en bronze, en cuivre et en alliage de divers métaux, il exprime une symbolique. Ces heurtoirs sont fabriqués à la main, mais sont concurrencés par la production industrielle dès le XXe siècle. Ils sont généralement adossés contre une fine platine, posée sur le ventail, extrêmement ouvragée. C'est un véritable travail de dentelière. La calligraphie de ce support est d'une lecture intéressante, avec des références multiples à un imaginaire mythologique, devenant un repère moral. Point central du regard, il donne le ton, tant par son poids, sa forme et sa décoration. On distingue donc le maillet pendeloque, l'anneau en rond parfait, l'anneau oblongue, plus long que large, ou en boucle de gibecière, ou en patte de grenouille, plus large que haut. Le heurtoir entraîne l'esprit vers une imaginerie gréco-romaine ou chrétienne. Il a parfois l'apparence d'une déesse ou d'une main sortant d'un poignet brodé. L'anneau maintenu par les puissantes mâchoires du lion invite au recul. Il incarne la puissance, la sagesse et la justice. Quant à la coquille Saint-Jacques, elle est un témoignage religieux et bienveillant, évoquant le voyageur parti vers un pèlerinage. Certains heurtoirs sont coiffés d'une petite cloche en prévision d'un danger, comme la cloche des bateaux ou la cloche des églises. D'autres exhibent des figures effrayantes entourées d'animaux mythiques dont la seule fonction est de repousser le mal. Le heurtoir dévoile des marmoussés, figurines intégrées au symbole mythologique. Le marmoussé dans l'imaginaire médiéval est une petite figure grotesque qui décore les heurtoirs. Tout un bestiaire sauvage s'invite également dans l'ornementation et souvent le serpent emblématique et divinatoire auprès d'Apollon. Il lui fallait exhaler la terre pour en tirer des visions prophétiques. Quant au dauphin, il est une annonce de sagesse et de vie. Apollo empruntait sa forme pour ramener au port les voyageurs. Indépendamment du heurtoir, le décor de l'immeuble, comme de l'hôtel particulier, est envahi par tout un peuple de pierres. Le mascaron. Il couronne la clé de porte et affiche la personnalité du propriétaire. Il se situe également sur l'arc des fenêtres en étage. Il peut être solitaire ou en compagnie d'autres masques ou plusieurs travées. Lorsqu'il est mascaron, il est bouffonnerie et anthropomorphe.
son apparence humaine peut s'apparenter au dieu. Lorsqu'il est masque, il représente l'homme ou la femme et varie du sérieux au gracieux. Certains mascarons sont à l'origine d'allégories. Ces visages qui regardent le piéton ont souvent la forme de guerriers, de déesses, de démons ou d'anges. L'effet de mode s'étend au lion, au bélier, au putti, à la coquille Saint-Jacques, mais encore à des orgies de fruits et de fleurs, des représentations de lauriers signifiant abondance et richesse. L'ornement d'architecture ne s'arrête pas là. Il y a le marmoussé. À son tour, il envahit le décor des façades, et ce depuis le Moyen-Âge. Il se glisse dans le cul de lampe, à la base des colonnes, parade sur les frises horizontales, plaisant ou grimaçant, caricatural. Il offre aux passants un festival de détails remarquables, dont l'hôtel Gaillard. Le roi des animaux s'impose aussi dans le décor parisien, sous toutes ses formes, sculpté dans la pierre, ou ornant les heurtoirs. Il constitue un véritable jeu de pistes. On le trouve statufié dans des points stratégiques de la capitale. Les lions nous examinent, triomphants. C'est donc tous ces observateurs qui vont suivre nos pas dans certaines rues du quartier de la Plaine Monceau. J'espère donc exciter votre curiosité, même si vous n'aurez qu'un petit aperçu de ce que vous pourrez trouver dans l'ouvrage. Notre flânerie depuis la place de la République dominicaine commence donc avec des sautillements d'oiseaux, rue de Prony. Le baron Gaspard de Prony, né à cheval sur les 18e et 19e siècles, est un ingénieur hydraulicien et encyclopédiste remarquable. Il donne son nom à cette belle voie d'une largeur de 20 mètres, tracée dès 1860. Le numéro 8 est une construction néo-renaissance de l'architecte Auguste Tronquoy, 1829-1885. Ce bâtiment se remarque dès son rez-de-chaussée en bossage vermiculé avec un attique couronnant la construction, des balustres de pierre et une porte cochère coiffée d'un fronton coupé recevant une fenêtre. Depuis 1993, les armoiries en clé de porte dorées à la feuille indiquent l'emblème de la Fédération de Russie. On y découvre l'aigle bicéphale couronné, qui est le symbole de l'Église orthodoxe. Il représente l'immense territoire russe et tient dans ses serres, la sphère et le spectre du pouvoir. Au centre figure l'écu de Saint-Georges, patron protecteur des Slaves. Ce chevalier vénéré est représenté sur son cheval, terrassant le dragon et consacre la victoire du bien sur le mal. En face, le numéro 7 arbore une porte cochère à deux vantaux d'un rouge bordeaux. Son impressionnant marteau est orné d'une figure hybride, mi-lion, mi-homme. Ce gardien du temple, chevelure fleurie et reflets ondoyants vert de gris, tient au bout de son mufle un bel anneau gypsière orné de petites palmes. Ce heurtoir impressionnant est, semble-t-il, une pièce unique à Paris. Les deux heurtoirs de l'immeuble voisin, au numéro 9, affichent la coquille Saint-Jacques à Gaudron et marquent une connotation chrétienne évidente. C'est dans cet immeuble que le peintre orientaliste Ferdinand Roybet, 1840-1920, officie dans un atelier. Il a la particularité de portraiturer ses modèles selon des tenues d'époque et particulièrement en mousquetaire du roi. Côté père, immense et remarquable, construit entre 1880 et 1883 par l'architecte Jean-Louis Pascal, 1837-1920, Grand Prix de Rome, la propriété néo-renaissance au numéro 12 du baron autrichien Maurice von Königswörter se présente sur 5 travées. Elle s'anime de bossages entre 4 fortes consoles soutenant d'impressionnantes têtes de lion, retenant dans leur gueule un anneau et une grappe de raisin. 3 mascarons placés sous les baies verreliers de guirlandes représentent des divinités bienveillantes. Aux étages supérieurs, 2 visages de femmes encadrent des incrustations de marbre rose. En face, côté impair, à l'angle de la rue de Chazelle au numéro 19, l'architecte Léopold Cochet a construit un hôtel particulier surmonté d'une lucarne en pierre à fronton brisé. Et dans les trumeaux de la fenêtre centrale, au premier étage, des superbes attributs de la musique sont retenus par un anneau, retenus par la gueule d'un lion, mettant en valeur l'entrée au-dessus d'un perron et quelques marches derrière des grilles. Eugène Flamand est un architecte sur le secteur très plébiscité par la société bourgeoise. Il construit énormément sur le quartier Monceau. Au numéro 30, à la demande du duc d'Aumale, 1822-1897, cinquième fils du roi de France Louis-Philippe, il édifie un pied-à-terre de luxe en 1876. Le duc, qui est alors veuf,
et le bienfaiteur de Léonide Leblanc, 1842-1894, une comédienne d'une grande beauté, paraît-il, qui partagera sa demeure. Cette demi-mondaine, durant les absences du duc, collectionne les amants. Grâce à eux, elle amasse une petite fortune personnelle. Les grands de ce monde sont assidus de ses faveurs. Parmi eux, on compte Plomplon, cousin de Napoléon III, et un grand coureur de jupons, Georges Clémenceau. Lors du second exil du duc, loi de 1886 contre les familles royales, Mademoiselle Maximum, car c'est ainsi qu'on l'appelle, fait salon et reçoit le vendredi après-midi, jour chic de la bonne société. En 1906, cet hôtel particulier qui fait l'angle de la rue Henri Rochefort est totalement reconverti par les architectes Barberis et Saint-Maur, dans un style art nouveau d'inspiration végétale. Aiguilles et pommes de pin, exécutées par le sculpteur-décorateur William Lemith, ceinturent le bâtiment. Les grilles, balcons, portes en verre reprennent le thème de la pomme de pin épurée dans une élégante ferronnerie. Et on les doit à Edgar Brandt, 1880-1960. Ce génial ferronnier d'art et industriel de l'armement français, il fabrique des obus, a d'ailleurs réalisé le brûloir de la flamme pour la tombe du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. Edgar Brandt est un artiste, un des premiers galeristes prairisiens, exposant ses magnifiques paravents en ferronnerie. Il travaille avec Lalique et Dôme. De son usine du boulevard Murat sont sorties 600 portes d'immeubles parisiens, alliant le verre et la ferronnerie, et autant de rampes d'escaliers et de balcons brillamment décorés. Ironie du sort, le grand public le connaît davantage pour sa production de machines à laver Brandt. D'autres intervenants tout aussi prestigieux participent à la décoration intérieure. Maurice Denis, 1870-1943, peintre et décorateur. René Lalique, 1860-1945, maître verrier. Jacques Roucher, 1862-1975, occupe ce bel hôtel dès la fin des travaux en 1908. Il a épousé Berthe Pivert, 1870-1957, la fille du parfumeur L. T. Pivert en 1893. Le couple aurait eu deux filles en 1894 et 1895. Jacques Roucher est devenu le grand patron des parfums L. T. Pivert. Cet homme cultivé rassemble autour de lui toute l'intelligentsia de l'époque. Il recevait les musiciens, Claude Debussy, Maurice Ravel, les littéraires, André Gide, Jules Renard, Jean Giraudeau, Ruth Preny. Entre 1907 et 1939, il devient patron de presse et prend parallèlement la direction du théâtre Héberto. Et c'est en 1929 qu'il confie la restructuration de son patio intérieur à l'architecte Jean-Charles Moreux, 1892-1956, ordonnant une décoration froide et rectiligne. De 1913 à 1945, Jacques Roucher assure la direction de l'Opéra de Paris contre vents et marées, y investissant une partie de sa fortune. On devra à ce grand mécène la venue de Serge Liffard en 1929, constituant ainsi un corps de ballet très novateur pour l'époque. Dans les années 40, il aidera le compositeur Darius Milhaud, 1892-1974, et d'autres artistes juifs à s'expatrier loin de l'Europe et sera amené par sa grande bienveillance à payer de sa poche les salaires de sa troupe. C'est en 1957 qu'il nous quitte Ruth Preny, deux ans après le décès de son épouse. Très oublié, une plaque sur la façade de l'hôtel particulier lui rend cependant hommage. Nous allons parler de la rue Fortuny. Elle prend son nom du peintre catalan Mariano Fortuny, 1838-1874. Au numéro 2 de la rue Fortuny, vécu avec son épouse, la poétesse Rosemonde Gérard, 1886-1953, un très grand écrivain dramaturge, poète et essayiste, le jeune Edmond Rostand, 1868-1918, fils d'Eugène Rostand, lui-même poète à 16 heures, économiste et membre de l'Académie des sciences. C'est dire si le jeune Rostand a du répondant. C'est ici qu'Edmond écrit la fameuse pièce Cyrano de Bergerac, inspirée du libertin Savinien de Cyrano de Bergerac, 1619-1665. Pour l'anecdote, ce dernier, le sieur de Bergerac, était parisien et non gascon. Le de Bergerac, ajouté à son nom, est celui d'une terre ayant appartenu à sa famille à Saint-Forgé en vallée de Chevreuse. Comme il intégra les cadets du roi, généralement constitués de gascons, la ville de Bergerac s'est appropriée notre Cyrano de Bergerac, tout simplement.
Représenté pour la première fois le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin, on retrouve donc dans le rôle de Cyrano, le comédien en vogue de l'époque, Benoît Constant Coquelin, 1841-1909, alors que Roxane est incarnée par Maria Legault, 1858-1905. Le dramaturge éclipse totalement son épouse, bien que la poétesse soit d'ailleurs la petite-fille du comte maréchal Gérard, héros de Wagram. Elle eut pour parrain le comte de Lille, et à la mort prématurée de son père, c'est Alexandre Dumas, fils, qui devint son tuteur. Dodette, de son surnom, rencontre Edmond alors qu'il est étudiant en droit. Il se marie en 1890 et donne naissance, rue Fortuny, à deux garçons, en 1881 à Maurice, romancier et poète, et en 1894 à Jean, écrivain, biologiste et académicien. On doit à Rosemonde Gérard cette célèbre phrase. Car vois-tu, chaque jour, je t'aime davantage. Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Elle renonce à sa carrière littéraire pour l'amour de sa vie. C'est elle qui fait des recherches dans les archives pour Cyrano et elle le soutient psychologiquement. S'ils n'ont aucun souci d'argent, car elle a une fortune personnelle et lui héritera de son père, on peut dire que le succès de Cyrano ouvre à son auteur l'arc de triomphe de la gloire. C'est alors qu'ils quitteront la rue Fortuny pour une demeure beaucoup plus grande, rue Alphonse de Neuville. Rue Fortuny, au numéro 8, on découvre un chalet normand à colombages entartuné de peintures blanches qui déploie une ornementation d'inspiration médiévale dite troubadour. Un phylactère parchemin aux extrémités roulées dévoile le nom des architectes, Alfred Bolland et Auguste Lapie. Le tout encadré d'une foule de personnages. Chaque étage a ses statuettes plus ou moins gracieuses qui semblent converser et des marmoussés dérivés du mot marmot, réfugiés dans les frises, semblent marmotter devant une cour d'animaux de légende. C'est une artiste peintre du nom d'Emily Stretch qui a souhaité cette construction plus qu'originale, mais aucune archive ne nous donne plus de renseignements. Pratiquement en face, au numéro 9, tous les défis d'architecture éclectique se révèlent dans un patchwork qui mêle pierre blanche, briques, terre cuite, vernissée et céramique émaillée. Une large travée exhibe une grande lucarne de style Louis XIV, surplombant une loggia à l'italienne, couronnée d'une frise en bois représentant des oisillons stylisés. En étage inférieur, un balcon sur trois ouvertures à meneaux est surmonté d'un magnifique griffon sur une console. Ce gardien des trésors de la terre symbolise ici la protection du monde des vivants. Une ravissante frise polychrome avec des aplats de faïence due au céramiste Jules-Paul Leubnitz, 1836-1895, souligne cette façade. Cette architecture osée a été édifiée en 1890 par l'architecte des chemins de fer, Paul-Adrien Gouny, dont on ne retrouve que l'acte de naissance en 1852. Il faut souligner sur la façade un oriel dissymétrique, vitré et ouvragé, reposant sur une colonne, surmontée d'une toiture ornementée de découpes de fer, suggérant des volatiles aux ailes déployées. L'industriel Pedro Durand y Rivas a succédé à un certain Benjamin Morel dans cette demeure, qui par la suite abrita une école de couture extrêmement renommée. Au numéro 13, sur le même trottoir, le peintre-graveur Paul Vaison, 1841-1911, se fait construire un bel hôtel par l'architecte Paul-Casimir Foucault. Dans le jardin arrière, cet artiste rural installe une bergerie avec bélier et mouton, ses modèles de prédilection. Impensable cette fois-ci, hein, on pourrait plus faire ça. Quelques 20 ans plus tard, en 1933 et jusque dans les années 1950, c'est Marcel Pagnol, 1895-1974, qui occupera cette demeure. La brique est privilégiée sur ce bâtiment souligné d'une jolie frise au dernier étage. Des effets rocaille courent sur le tympan, au-dessus d'une porte rouge en pierre à deux vantaux, accueillant une paire de maillets à marmousser, en cuivre doré étincelant et reposant sur une platine fleur de lys. C'est ici que Pagnol travaillait sur plusieurs œuvres et films. Angèle, César et La femme du boulanger. Dans ce dernier, la femme du boulanger est partie avec un berger. Les voisins se mobilisent pour la ramener au bercail, car le malheureux boulanger n'a plus le cœur à faire le pain pour le village. On se souvient tous alors de la tirade culte de Rému, l'acteur fétiche. La chatte noire passe le long des sacs de farine alors que le boulanger vient de retrouver sa femme. Ah ouais,
La voilà, la voilà, la pomponnette. Tu l'as vue, dis, hein? Garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait séduit son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Les constructions qui jalonnent cette voie sont pour la plupart empreintes d'élégance. Et je choisis volontairement de n'en citer que quelques-unes, car je souhaite que vous les découvriez par vous-même, en feuilletant Paris 17, plein de Monceau. Nous allons donc poursuivre avec la plus curieuse maison de cette voie, située au numéro 27. On aime ou on décède, ou on déteste. Construite en 1878 par l'architecte Adolphe Weil pour Oscar Englebert, mania belge du pneumatique automobile, elle se remarque sur trois étages et trois travées, affichant des carreaux de céramique à géométrie carrée bleu turquoise, cernés de noir dans les trumeaux de fenêtres, dont l'intérieur s'égaye de bandes décoratives de céramique orange et blanche. L'effet est plutôt violent. Dans les années 1900, la comédienne et chanteuse de musical Caroline Otero occupe les lieux. Courtisane à 16 heures, cette femme sulfureuse enflamme le tout Paris et le monde entier. Elle fascine les hommes, du roi Édouard VII d'Angleterre à Léopold II de Belgique, en passant par le grand-duc Nicolas de Russie, le prince régné de Monaco, Aristide Briand, président du Conseil sous la Troisième République. Elle collectionne les amants, s'assurant un train de vie princier. Certains seront victimes de cette sirène envoûtante que l'on n'hésite pas à prénommer la sirène des suicides. Croqueuse d'hommes et de diamants, elle était une assidue des joailliers de la place Vendôme. Elle adorait particulièrement se produire nue sous un boléro de diamants. Cette allongée des jours heureux, ayant dilapidé sa fortune au jeu de casino, terminera sa vie tristement dans un petit hôtel de Nice grâce à la générosité de ses anciens admirateurs. Au bout de la rue Fortuny, et regardant l'avenue de Villiers, considérée comme une des plus importantes actrices françaises du XIXe siècle et début du XXe, la grande comédienne Sarah Bernard, 1844-1923, achète un terrain en 1875 et fait construire un splendide hôtel particulier au numéro 35, sous la houlette de l'architecte en vogue, Nicolas Félix Escalier, 1843-1920. Elle devient propriétaire pour la première fois. Elle est folle de joie. Discute sur le chantier avec les entrepreneurs et rien n'est trop beau pour décorer cette demeure sur jardin. Elle y vécut une dizaine d'années, de 1877 à 1887 avec son fils Maurice, né en 1875 d'une liaison avec le prince belge Henri-Maximilien Joseph de Ligne, 1824-1871. L'intérieur en est extravagant. C'est un joyeux désordre où cohabitent d'invraisemblables animaux parmi les tentures drapées, les peaux de bêtes, les potiches chinoises et les plantes exotiques. Son favori était un chat-tigre, répondant au nom de Tigrette, tout comme un agneau, disait-elle. Des chiens, de grands livriers blancs, un fox-terrier, s'ébattaient joyeusement dans cette demeure. Un grand perroquet blanc, Busy-Bouzou, et un ouistiti partageaient une grande cage. Ce dernier, répondant au nom de Darwin, portait un gilet rouge et adorait déplumer son ami. Les fantaisies ne s'arrêtaient pas là. Elle aura deux bébés lionceaux, Scarpia et Justinian, élevés en liberté, dont elle se séparera dans une ménagerie, forcément. De nombreux animaux exotiques faisaient partie de sa suite. Tortues, caméléons, promenés au bout d'une chaîne en or sur l'épaule de la comédienne. Dans le jardin, un atelier sous une serre lui permettait d'exprimer un don certain pour la sculpture. Mais son fils Maurice, devenu un beau jeune homme, mène grand train de vie et contribue à dilapider la fortune de sa mère. Très endettée, elle vendra pour aller s'installer sur le boulevard Pereire, tout près de la place de Wagram. La propriété Fortuny sera détruite et un grand bâtiment immense sera construit à l'angle Fortuny-Villiers. C'est Stéphane Dervillet, 1848-1925, un marbrier propriétaire de carrières de marbre, capitaine d'industrie hors du commun, président des chemins de fer du Paris-Lyon Méditerranée, directeur général adjoint de l'exposition universelle de 1900, qui fait l'acquisition du terrain morcelé. Il reconstitue une bâtisse originale avec une galerie en partie supérieure, en récupérant de la démolition des matériaux de la construction originale, mariant le XVIIe avec la Renaissance italienne, sur fond de pierre et briques polychromes. Sur la façade, un petit couple de rats intrigue le passant. Il est dû au sculpteur animalier Emmanuel Frémier, 1824-1910.
Deux gargouilles sous forme de bêtes fabuleuses rejettent l'eau du toit et accompagnent une descente d'eau pluviale finalisée par un superbe dauphin sculpté. La porte de bois massif comporte un authentique heurtoir avec deux lions aux griffes acérées qui forment un anneau lyre autour d'un personnage qui semble être un personnage de tragédie sur une coquille Saint-Jacques. Cet hôtel particulier est le siège du cabinet d'avocats d'affaires de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de 2005 à 2007, du président Jacques Chirac, 1932-2019. Juste en face, voisinant pratiquement le bel hôtel de l'artiste verrier Joseph Albert Poncin, 1842-1899, qui est largement décrit dans le livre, nous sommes devant une charmante construction néo-renaissance exécutée par Eugène Flamand en 1880 pour un certain Gélin. Le socle de la bâtisse est en pierre de ville, un calcaire blanc crayeux exploité dans la Meuse. Le fronton coupé, coiffé d'une lucarne d'éclairage en chapeau de gendarme, et l'encadrement de pierre sont en belle pierre de Saint-Vast et la brique de Bourgogne rouge s'y intègre agréablement. La porte offre à l'œil averti un discret heurtoir pendeloque en bronze patiné. Et en regardant de plus près, il représente une Vénus ailée dans la protection d'une bête de l'Apocalypse et d'un satyre grimaçant. Au premier étage, une grande baie à meneaux donnait accès à une salle à manger, prolongée par une serre vitrée, sur un minuscule coin de verdure. Le fils se trouvait semi-enterré sur la rue. Cet ensemble très harmonieux répondait aux aspirations de la classe bourgeoise de l'époque. Dans cette demeure, acquise par son grand-père Bénédicte Mala, Nicolas Sarkozy passa toute son enfance et adolescence au deuxième étage auprès de sa mère André Mala, dite Dadu, et de ses deux frères. Nul doute qu'elle résonne encore des rires et des blagues des trois garçons. Et ironie du sort, Dominique de Villepin s'est donc installé en face de la demeure de son ex-rival. Il y a encore bien des choses à découvrir dans cette rue Fortigny, mais je vous renvoie encore au livre, il vous en dira plus. Nous voici devant la place du général Catroux. Elle rend hommage au général Catroux, 1877-1969, ministre sous la 4e République, ayant fait allégeance au général de Gaulle. Cette place est un lieu de mémoire qui rend hommage aux Trois Dumas et à Sarah Bernard, la grande tragédienne. Thomas Alexandre David de la Pailleterie, le général Dumas, 1762-1806, c'est le nom de sa mère qu'il reprend, est un mulâtre de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Il fait la campagne d'Égypte et la campagne d'Italie avec Bonaparte, 1769-1821. Et d'après Anatole France, 1844-1923, il a risqué sa vie une vingtaine, si ce n'est pas plus, pour la France, une vingtaine de fois pour la France. Une statue de bronze en pied le représentait tenant le canon de son fusil. Elle a été fondue sur les ordres de Vichy en 1941. C'est pourquoi l'œuvre du sculpteur contemporain Driss Sans-Arcidé lui est dédiée sur un parterre de gazon depuis 2009. Créée et intitulée « Fer », elle rappelle les chaînes brisées de l'esclavage. Son fils n'est autre que Alexandre Dumas père, 1802-1870, honoré sur une autre parcelle par une statue impressionnante en bronze de Gustave Doré, 1832-1883. Il est assis dans un fauteuil, une plume à la main, et en contrebas du monument, trois lecteurs sont plongés dans ses œuvres. À l'arrière, c'est son héros D'Artagnan qui pose avec panache. L'œuvre d'Alexandre Dumas est colossale et le président Chirac lui fera les honneurs du Panthéon en 2002. À l'opposé de la place, c'est le sculpteur René de Saint-Marceau, 1845-1915, qui a mis en valeur le fils du précédent, l'auteur de La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas fils, 1824-1895. Il est représenté, lui, un stylo à plume à la main, avec une allégorie représentant la douleur, la résignation et la jeunesse. Mais face à l'hôtel Gaillard, Sarah Bernard se fait plus discrète. Elle incarne un personnage de la mythologie grecque, Phèdre, la fille du roi de Crète, dans la pièce de Jean Racine. On doit cette œuvre au sculpteur François-Léon Sicard, 1862-1934. L'ensemble de la place est un sujet d'émerveillement avec un bâti varié et spectaculaire à découvrir en flânant. À lui seul, fabuleux et grandiose, l'hôtel Gaillard. L'architecture inspirée des châteaux de Blois et Gien est remarquable et fait la renommée de son architecte Jules Février, 1842-1937. Sa construction de style néo-gothique et néo-renaissance sera la propriété d'un baron de la finance collectionneur à ses heures, Émile Gaillard, 1821-1902. Sur un terrain acquis en 1878,
achevée en 1882, la demeure est d'une superficie totale de 1300 mètres carrés. C'est le fleuron de l'architecture élégante du XIXe siècle. Les envolées de toitures d'ardoise fines, surmontées d'épis de faîtage, de frises dentelées façonnées et estampées dans le zinc, ainsi que de nombreuses tourelles surplombant la façade, s'ordonnent sur un heureux mariage de pierres blanches et de briques polychromes, formant d'élégants croisillons. Que dire des lucarnes ouvragées coiffées de pinacles, aux tympans desquels le monogramme du banquier s'étale, des arcs de fenêtres à meneaux, des consoles d'encorbellement dites cul-de-lampe, nous offrant la vision ornementale de tout un petit peuple de pierre. Dans le parement d'une fenêtre située à droite de la façade, on remarque un marmoussé qui n'est autre que la représentation du banquier avec sa bourse en main. Face à lui, l'architecte Jules Février armait lui de son compas. Si tous les talents sont évoqués dans ces marmoussés sculptés dans la pierre, la musique, la littérature, les petits métiers, tout ce petit monde s'accorde avec un bestiaire fantasmagorique chargé d'écarter le mal. C'est ainsi que vous découvrirez lapins, chiens, oiseaux, escargots, finement sculptés dans le décor. Des créatures hybrides sous forme de gargouilles surmontent et descendent d'eau pluviale, plus décoratives qu'efficaces. Joliment torsadées, en fonte et ornées de la fleur de lys, finalisées par des dauphins dorés à la feuille. L'intérieur de l'hôtel Gaillard est tout aussi spectaculaire. Il faut le voir pour le croire. Le pavage au sol restitue en grand damier les armes de France avec la fleur de lys or sur fond bleu, et celle de la Bretagne avec les brusures d'hermine noire sur fond blanc. Ce sol céramique est l'œuvre du grand Jules-Paul Leibniz, 1836-1895. Un escalier d'honneur monumental à double révolution met en valeur une ébénisterie remarquable. Les pièces se succèdent, grande réception, grand salon, petit salon, antichambre, chambre, bureau, avec des boiseries magnifiques formant des stalles provenant de châteaux démantelés. Plus encore, les cheminées immenses de style renaissance française et italienne nous offrent des entablements ornés d'arcades, de sphinges, de faux vélés, de pleurants ou des mascarons féminins. Et les foyers sont habillés de contre-cœur ou contre-feu, évoquant des paraboles. La salle à manger familiale est tendue d'un tissu bleu fleur de lysée au-dessus des stalles et les portes sont de véritables œuvres d'art évoquant les saints de l'église. Les boiseries affichent également le dessin « serviette pliée ». Je vous laisse imaginer les hauteurs sous plafond, au-dessus de l'escalier central, en voûte nervurée à liernes et tiercerons tout à fait grandioses. Reconvertie en cité de l'économie et de la monnaie, sous le nom de Citeco, l'hôtel Gaillard est un passage obligé dans le 17e. C'est un des plus beaux monuments parisiens et sa nouvelle vocation est ambitieuse, rendre accessible au public l'alchimie et le mécanisme de la finance, comprendre les échanges monétaires et les marchés, apprendre en s'amusant avec des jeux et des animations. C'est une visite incontournable avec vos enfants et amis, vous ne le regretterez pas. Dans cet environnement, aidez-vous de mon ouvrage pour découvrir d'autres merveilles que je ne peux dévoiler en une heure de conférence. À l'opposé de la place, à l'angle de la rue Jacques-Biguen, 1908-1944, grand résistant, beau-frère d'André Citroën et fidèle du général de Gaulle, que reste-t-il du superbe manoir de style Henri II, construit par l'architecte Jean-Baptiste Pigny, 1821-1881, pour sa famille et celle de son beau-frère, le musicien Charles Gounod, 1818-1893. Ses orgues, Cavaillé-Cole, envoyaient sur la place sa musique d'opéra, Faust de Goethe, Roméo et Juliette de Shakespeare et beaucoup de musique religieuse. Autour d'une cheminée monumentale, le musicien possédait une bibliothèque importante de près de 2000 ouvrages musicaux. Et actuellement, un immeuble impersonnel occupe désormais ce coin de rue. Retour en arrière sur l'avenue de Villiers, où le musée Jean-Jacques Henner, 1829-1905, au numéro 43, témoigne typiquement de la conception architecturale de l'hôtel particulier parisien du XIXe siècle. Précisons que l'artiste n'y a jamais habité. Il partageait à Pigalle un atelier avec Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898, et c'est sa nièce, en 1921, Marie Henner, qui fit l'acquisition des lieux pour abriter l'œuvre de Tonton et en faire don à l'État ensuite. À l'origine, construit par Nicolas Félix Escalier pour le peintre et illustrateur Roger Jourdain, 1845-1918, le bâtiment, deux ans plus tard, devient propriété de Guillaume Dubuff, 1853-1909, neveu du musicien Charles Gounod, qui installe ici son atelier et sa famille. Fils et élève de son père, Édouard Dubuff, 1819-1893, peintre décorateur, paysagiste et portraitiste, il aime par-dessus tout que sa femme et ses cinq enfants lui servent de modèle.
Il faut visiter ce délicieux musée qui, sur plusieurs étages, reflète la mode de vie bourgeoise de l'époque. Salon néo-renaissance, patio, salle à manger avec cheminée au décor de carreaux bleus de Delphes, atelier en étage, jardin d'hiver très lumineux grâce à une verrière à dôme avec des mosaïques originales, motifs fleuris, prolongeant un salon de réception au plafond néo-renaissance à caisson. On y distingue les initiales entrelacées, D pour Dubuff et le C pour sa femme Cécile. Le tout est soutenu par quatre colonnades, un escalier boisé toujours de style renaissance, salon rouge en étage avec un côté orientaliste très marqué et donné par des moucharabiés. Jean-Jacques Henner, 1829-1905, à titre posthume et depuis grâce à la générosité de sa nièce, le locataire avide de ce lieu magique. Un détail saute aux yeux des admirateurs du peintre, d'origine alsacienne, c'est la rousseur qui sublime toutes les femmes plus ou moins dénudées dans ses tableaux plutôt sombres. En 1871, l'Alsace, elle attend, est une des œuvres qui firent sa renommée. La toile déplore la perte de l'Alsace annexée à l'Empire allemand lors de la chute de l'Empire en 1870. Deux pas plus loin, à l'angle Cardinet-Villiers, une plaque de marbre apposée au numéro 58 de la rue Cardinet indique que le musicien Claude Debussy, 1862-1918, créa en ces lieux Péléas et Mélisande à l'Opéra Comique en 1902, une œuvre unique dans l'histoire de l'opéra. Nous allons maintenant quitter tout ce secteur et nous envoler au nord du quartier afin de découvrir une autre rue très caractéristique de la plaine Monceau. La rue Eugène Flachat apporte une sérieuse concurrence à la rue Fortuny. Cette voie coup de cœur porte le nom de l'ingénieur civil des chemins de fer Eugène Flachat, 1802-1873. Ainsi, nous allons la remonter dans le sens de la circulation depuis le boulevard Berthier. En 1891, c'est l'architecte Jean Brisson qui construit pour Monsieur Vignol, au numéro 32, le premier hôtel particulier en retour sur le boulevard. Il se distingue par sa brique rouge entre des parements de pierre blanche. Une petite grille verte coiffe l'angle coupé du bâtiment qui donne accès à l'entresol où l'on trouve les communs, comme c'est généralement la règle. L'hôtel particulier urbain est occupé par un unique propriétaire et sa famille. Celui-ci comporte en façade, près de l'entrée principale à gauche, un très beau bas-relief de Joseph Chéret, 1838-1994, sculpteur et frère de Jules, l'affichiste. Une chérette, modèle favori de son aîné, exécute une toile sur chevalet d'après paysage. Une banderole latine, on doit, porteuse d'un message, « Honorer les arts qui nourrissent ». L'hôtel particulier suivant, au numéro 32, à la demande d'un certain monsieur Dumas, est très séduisant, dans le style particulier de Paul Cédille, 1836-1900. Cet architecte des magasins du printemps a marié céramique et pierre dans des harmonies audacieuses, notamment avec cette façade vernissée turquoise, associée aux émaux du céramiste Jules-Paul Leibniz. Une corniche lombarde, incrustée de faïence, fleurie de style Art Nouveau, souligne l'avancée de la toiture, d'où s'échappent trois lucarnes minuscules sous comble. Le clou de l'ornementation est une frise de citron en feuilles qui met en valeur les trois fenêtres enceintes du dernier étage. Au deuxième, un petit cartouche blanc en relief montre une femme dénudée entre deux ouvertures. Elle nous adresse un message de paix avec une colombe à ses pieds et un angelot sur l'épaule. Le linteau de la fenêtre du grand salon est posé sur trois colonnettes surmontées de chapiteaux et la mosaïque de l'archivolte, c'est une bande moulurée, s'orne d'iris voluptueux rappelant les iris du revers de la façade Berthier sous la travée en oriel double. Le revers de cet ensemble est aussi beau que sa façade sur le devant. Briques vernissées joyeuses, iris joliment nonchalant au bleu profond, voisine avec marguerite, chrysanthème, marguerite et brin de muguet. Revenons sur l'entrée principale, Eugène Flachat. Un charmant balcon romantique travaillé dans une belle ferronnerie en anse de panier et retenu par une console également stylisée au-dessus des fenêtres en cintre du rez-de-chaussée. L'étroite porte d'entrée s'enorgueillit d'un fronton triangulaire encadré de deux mascarons, deux lions se faisant face dans l'encadrement au-dessus des chapiteaux. Grâce à des émaux inaltérables, la polychromie, l'architecturale... Là, je peux arrêter ? Reprenez la phrase d'avant, encore une fois. Je vais reprendre la phrase d'avant. L'étroite porte principale s'enorgueillit d'un fronton triangulaire encadré de deux mascarons de lions se faisant face dans l'encadrement au-dessus des chapiteaux. Grâce à des émaux inaltérables, la polychromie architecturale est particulièrement vive. C'est réellement le plus bel hôtel de cette rue, il vaut le détour.
Il est accolé au numéro 30, une construction de Gaston Aubry, 1853-1901, architecte diocésain spécialisé dans des édifices pour le diocèse. Cette fonction, d'ailleurs, sera annulée en 1905 lors de l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Cette belle demeure abritait le peintre, illustrateur et sculpteur Albert Fourier, 1854-1937. Plusieurs fois récompensé, médaillé d'or, il a illustré, entre autres, les œuvres de Gustave Flaubert, 1821-1880. La façade de cet hôtel affiche des réminiscences médiévales et impose sa brique rouge comme sa pierre blanche de Parment. La porte d'accès s'offre un arc en accolade, amorti par un fleuron sobre entre deux pinacles accrochés. Les combles sont importants et ornés d'une grande lucarne à ferme en bois encadrée de deux plus petites. Les petits hôtels particuliers suivants ne sont que des représentations typiques des constructions de la fin du XIXe siècle. Le numéro 26 abrite l'homme de lettres, le compositeur et grand chansonnier Léon Xanroff, 1867-1953. Ce bâti construit en 1880 arbore le style néo-Louis XIII avec façade en pierre blanche se mariant avec des remplissages de briques rouges. Deux travées, encadrées de pierres de refend, caractérisent cette demeure. La porte d'entrée à deux vantaux se distingue en partie supérieure par des ouvertures protégées d'une ferronnerie. La corniche dévoile un cartouche avec une guirlande de fruits. Au-dessus, deux petits pilastres protègent un puits de lumière circulaire derrière une ferronnerie et supportent un mascaron représentant une superbe tête de lion retenant dans son mufle une deuxième guirlande de fruits. Sous la corniche, deux bandeaux décoratifs de carreaux de céramique montrent des boutons de végétaux et des fleurs projetant tour à tour le mauve, le vert et le bleu, ainsi que le rose profond. Le comble se compose de deux lucarnes, dont l'une sur travée gauche offre un fronton coupé encore orné d'une guirlande de fruits. Mariée à la soprano Marguerite Carrère, qui débuta à la scène avec le rôle de Marguerite dans le Faust de Gounod, Léon Xanroff est un animateur du Chat Noir à Montmartre, cabaret de Rodolphe Salis, où il interprète lui-même ses chansons. Le Fiacre, chanté par Yvette Guilbert, sa voisine du boulevard Berthier, a été l'un de ses plus grands succès. Un fiacre allé trottinant, jaune avec un cocher blanc, qu'a un hutia, hop là. Lui a été inspiré en 1888 par un fiacre transportant des amours légères et qui faillit le renverser. En 1882, le numéro 24 d'inspiration médiévale, dans le rationalisme d'Eugène Viollet-le-Duc, 1814-1879, est construit par l'architecte Georges-Louis Bayard. Ici, pas d'ornement superfatoire. Mais à bien y regarder, les détails interpellent. La porte en bois à double vantail offre deux consoles ornées de deux aimables têtes, un homme et une femme se faisant face pour l'éternité. L'élément de décor sur le linteau de porte est un cartouche entre deux cimiers sur fond de rinceau. Ces preux chevaliers indiquent aux visiteurs leur devise latine, assi putut det, recevoir pour donner. L'imposte apportant la lumière de l'entrée est ornée d'une ferronnerie originale et l'arc de fenêtre apparaît souligné de pierres de parement à la verticale. Un autre cartouche sur gauche arbore une branche d'olivier, symbole de victoire et de paix, dans un motif qui se repère au premier étage. Indissociable du chevalier, un bouclier forme une frise décorative sous l'entablement de la fenêtre principale entre deux consoles végétales et le garde-fou tout en pierre du rez-de-chaussée s'épanouit en balustre épuré. Prenant mon envol au-dessus d'une suite de charmantes constructions individuelles, décrites au fil des pages de Paris 17 Plaine Monceau, que je vous laisse la surprise de découvrir, je vais faire un arrêt sur image sur l'hôtel particulier du numéro 8, tout en hauteur, car édifié sur une parcelle étroite. Trois architectes se sont relayés sur ce bâti, de style néo-gothique à tendance troubadour. Trois phases de construction, trois architectes. 1881, l'architecte diocésain Gaston Aubry, 1853-1901, il lance la construction. Elle est reprise en 1882 par son confrère Georges-Louis Bayard, pour être finalisée en 1883 par Tréhaut, qui appose sa signature. On la retrouve sur le phylactère gauche au-dessus de la porte. La fleur de lys orne le sous-bassement, on la retrouve sur la ferronnerie de la baie centrale à colonne, de style corinthien de la travée principale. Ce symbole de la noblesse, à message d'unité, est présent également sur les deux garde-corps de pierre, des fenêtres aux étages supérieurs et sur le tympan de la lucarne. La descente d'eau pluviale est remarquablement travaillée, en zinc estampé cannelé, de couleur noire et or, avec des bagues ornementées de fleurs
et une cuvette de réception des eaux en partie haute décorée d'un lion stylisé. Dès la porte de bois sur travée droite, le rouge cochenille ou rouge kermesse est un rappel du Moyen-Âge, couleur du pouvoir et de la puissance. Les fleurs de lys découpées dans le métal noir ornent chaque écoinçon. Le heurtoir de fer forgé peut sembler modeste, mais il faut le regarder de près. Sa platine fleur de lys, en appui sur le bois, supporte un lacet et une tige permettant l'articulation de l'anneau gypsière, orné d'un anneau finalisé de deux dauphins réunis par leur rostre. Ces mammifères marins sont censés incarner la sagesse et guider le voyageur à bon port sous la bienveillance d'Apollon. Au-dessus de la porte, la tique supporte un chapiteau corinthien partageant deux impostes à vitraux destinés à capter un peu de lumière pour l'escalier. La voussure en anse de panier s'anime de rinceaux de feuillage soutenus par d'adorables putis, grassouillés à plaisir. Sur la gauche des baies s'animent d'aimables marmoussés incarnant un homme et une femme à la poitrine avantageuse et des chimères, des dragons en étage. Le superbe hôtel particulier acquis en 1897 par Edmond Rostand forme avec la rue Alfred Roll, anciennement la rue Alphonse de Neuville, un angle tout à fait intéressant, bien qu'il ait été détruit par la pioche des démolisseurs. On peut encore se demander comment la folie des spéculateurs de l'immobilier a pu détruire une telle propriété en plein monceau. Décoré avec passion par son jeune propriétaire, qui n'a alors que 29 ans, on y trouve de magnifiques meubles de style, des tableaux gagnés à la pointe de la plume. Je me suis laissé dire qu'il y avait même une salle de théâtre. C'est ici que l'écrivain dramaturge, poète, essayiste écrivit L'Aiglon, merveilleusement interprété par son ami Sarah Bernard, dans le costume du petit roi de Rome, confectionné spécialement par le couturier Paul Poiret, 1879-1944. C'est cette pièce, d'ailleurs, qui lui offrit le siège à l'Académie française. Edmé Ronsard a à son actif plus d'une dizaine de pièces de théâtre, et en 1901, il sera donc, comme je le disais, élu à l'Académie française. Il habite 10 mois sur 12 à Paris et doit répondre à une vie mondaine qui le fatigue. Ce dépressif tombe malade. Il a une pneumonie et sa vie est en danger. Rosemonde le soigne avec un dévouement sans faille. Et il se réfugie donc loin de la capitale, au Pays Basque, dont il s'entiche et décide de quitter Paris définitivement. Edmond fait alors l'acquisition en 1903 d'une immense propriété sur 15 hectares près de Cambeau-les-Bains et fait construire une villa dont il prend possession en 1906. La villa Arnaga, en langue basque Araga, signifiant lieu de pierre et son rêve absolu. C'est un décor de théâtre à lui tout seul, sur une ordonnance baroque de jardin. Rosemonde et le dramaturge se sépareront en 1913 et divorceront en 1915, chacun partant avec un fils. Maurice, 22 ans avec sa mère, Jean, 19 ans avec son père. Edmond Rostand vivra alors une romance dès 1914 avec la poétesse Anna de Noailles, puis sera pris d'une passion dévorante en 1915 pour une jeune actrice de 20 ans, Marie Marquette, originaire de Saint-Pétersbourg, et ce durant 3 ans jusqu'à sa mort. Nous quittons donc maintenant la rue Eugène Flachat, dont vous découvrirez d'autres aspects sur le livre Paris 17, plein de monceaux. Le boulevard Pereire Nord sur gauche, pratiquement à la place de Wagram, est un peu moins riche d'hôtels particuliers, contrairement à la portion Pereire Sud, entre la place du Maréchal Juin et la rue Alphonse de Neuville. Nous nous attarderons encore sur le fantôme de Sarah Bernard, au numéro 56. La tragédienne est décédée ici, le 26 mars 1923, à l'âge de 79 ans, en présence de son fils Maurice. Un bâtiment moderne s'élève désormais en lieu et place. Il faut tout de même imaginer que cette grande dame contribua au rayonnement de la France. Elle partait pour des tournées au bout du monde et un train entier lui permettait de se déplacer avec sa troupe, armes et bagages. Ne jouant qu'en français, les spectateurs suivaient ses pièces grâce à des fascicules de traduction sous d'immenses chapiteaux dressés pour l'occasion. Et lorsqu'elle revenait de ses longues tournées, son refuge exotique l'accueillait avec grand lit de repos à baldaquin couvert de peau d'ours blanc. Un jour, elle rapporta d'Amérique du Nord un alligator au nom d'Aligaga, shooté au champagne et à la morphine. Il dormait dans le vestibule alors que les chiens gambadaient autour de lui. Il semble que c'est le fox terrier, répondant au nom d'Hamlet, qui fit ses derniers délices. L'effroi passé, Pitou, le majordome dévoué, lui tira une balle dans la tête. Confié à un taxidermiste, l'alligator se retrouva dans le salon de Sarah, et Sarah s'amusait de signaler à ses amis qu'ils avaient sous les yeux le tombeau d'Hamlet. Elle avait développé une certaine morbidité à la suite du décès de sa sœur, et se reposait régulièrement dans un cercueil capitonné, dans le fond duquel elle plaçait des lettres d'amour, des bouquets de fleurs, des photos de sa carrière,
de nombreuses cartes postales. Elle sut, avant tout le monde, user de la communication. Ses cartes postales en scène, ou chez elle, et même dans son cercueil, inondaient le marché. On connaît moins sa carrière de peintre et sculptrice. Pourtant, elle montrait beaucoup de talent, et c'est ce qui lui permit d'exposer au Salon des artistes français. On la disait divine. Malheureusement, elle dut se faire amputer d'une jambe et persista tout de même à jouer l'aiglon jusqu'au bout. On croisait parfois sa voiture sur le boulevard Pereire, une hybridation de cab et Victoria avec cocher et valet de pied en gibus à cocarde. On l'apercevait enfouie sous des voiles noires, saluant le public qui lui faisait ovation. C'était une reine dans son quartier de la Plaine Monceau. Nous quittons donc ce boulevard Pereire. Il vous révélera bien d'autres jolies choses. Et je vais clôturer ce bavardage en venant vers la rue Ampère, ouverte en 1862. Elle doit son nom au mathématicien, physicien et philosophe André-Marie Ampère, 1775-1863, reconnu pour ses travaux sur les unités d'intensité de courant électrique. Le mot ampère, comme chacun sait, correspond au courant de transport de la charge électrique. De la place d'Israël à la petite gare blanche Pereire, qui garde des allures de jouets d'enfants, sur côté gauche de la voie portant numéro impair, nous sommes en nord-ouest. C'est pourquoi, fleuriste en étage supérieur, une remarquable continuité d'ateliers d'artistes peintres au dernier étage de tous ces hôtels particuliers. Ce sont les portraitistes qui laissent leur marque sur cette large rue, dans un style très disparate. Les constructions individuelles conjuguent le gothique médiéval et le néo-renaissance. Elles cachent derrière l'habit des minuscules jardins ombragés et fleuris, où le merle moqueur trie, où la mésange titine et les moineaux s'ébattent dans des pépiments débassonneurs qui nous surprennent encore. À l'angle Wagram, Alphonse de Neuville en père Brémontier, il s'en est exécuté des destructions d'hôtels particuliers sublimes. Au 30, la délicieuse jeune femme originaire d'Ukraine, Marie Baskirtsev, 1858-1884, montrait ses talents d'écrivaine, de musicienne, peintre et sculptrice. Atteinte de tuberculose, sa dernière toile naturaliste, intitulée « Un meeting », qui représente des enfants de classe populaire après l'école, est visible au musée d'Orsay. Les nazis ont malheureusement détruit la plupart de ses œuvres. C'est le fils de Madame de Saint-Marceau, le peintre Jacques Bonny, de Paul de Saint-Marceau, qui lui succédera. En 1937, les pelleteuses ont détruit l'ouvrage et s'édifie alors un immeuble art déco conçu par l'architecte Édouard Thomas. Sur le même trottoir, numéro 36, un bijou d'hôtel particulier de style Renaissance appartenant à l'homme d'affaires Charles Weyer, 1836-1916, a eu les honneurs du sculpteur Antoine Margotin, 1882-1906. De son architecte, nous ne savons rien. L'archivolte en cintre brodé de feuilles de laurier sur la délicate voussure de l'entrée vient s'asseoir sur deux chapiteaux. Sur celui de gauche, un petit marmoussé se défend d'une feuille de laurier contre des monstres ailés. À droite, on le retrouve au-dessus d'une salamandre. Les artifices de l'art de Renaissance se relaient sur cette façade jusqu'aux balustres ornementés avec soin. Au deuxième étage, chaque garde-corps en remplage de pierre est orné au centre de deux reptiles ophidiens en forme de S. En face, le 47, construit en pierre de refend, exhibe une grande verrière atelier qui laisse imaginer une grande hauteur sous plafond et une immense cheminée. C'est l'hôtel particulier de Madame Hippolyte Adam, épouse de l'administrateur du chemin de fer du Nord. Elle donne ici des soirées musicales et théâtrales exquises, attirant tous les grands noms de la bonne société. Vous ne découvrirez que quelques habitations de cette rue. Je préfère vous renvoyer encore une fois au livre. Nous allons donc évoquer le numéro 53, qui perpétue le style Renaissance et cache dès la porte d'entrée un visage minuscule de marmoussé dans les rubans qui courent sur l'entourage de la porte à panneaux cloutés. Au rez-de-chaussée, prenant naissance sur deux culots ornementés d'un marmoussé, une accolade en arc aplati, festonnée de feuilles d'acanthe, s'envole autour d'un écusson de noblesse surmonté d'une couronne. La salamandre, qui représente l'indescriptible, repose sur un bénitier mentionnant la date de construction, 1884. Les lambrequins des fenêtres arborent la fleur de lys et la coquille Saint-Jacques du voyageur, bien évidemment, s'étale en frise sous les trois consoles soutenant le balcon du deuxième étage. Le parti pris pour la ferronnerie en arabesque aère l'ensemble des ouvertures. Les deux derniers étages plantent fièrement des trumeaux en briques rouges qui mettent en valeur les deux lucarnes triangulaires. En 1905, l'occupant de ce sublime hôtel aurait été Alfred Sursok Bey, secrétaire de l'ambassade ottomane à Paris. Cette famille de marchands, devenue aristocrate, entretenait des liens étroits avec Paris et les frères d'Alfred avaient créé la Banque Sursok en 1858. Je me retiens difficilement tant je souhaiterais vous décrire un par un tous ces merveilleux hôtels de la rue Ampère, mais deux heures de conférence n'y suffiraient pas. Aussi, vous aurez tout le temps de déguster à petite dose vos découvertes et anecdotes dans mon livre.
Mais le peintre le plus emblématique de cette large voie est sans conteste François Flaminck, 1856-1923. Spécialiste de scènes historiques et portraitiste talentueux, il a acquis sa renommée grâce aux personnalités de l'époque. En 1900, il a exécuté d'ailleurs une immense toile pour la magnifique salle du restaurant Le Train Bleu, gare de Lyon. Son hôtel, construit en 1881 par Stéphane Sauvestre, au numéro 61, affiche un style néo-médiéval avec le rationalisme cher à Eugène Viollet-le-Duc, 1814-1879, remarquable grand architecte de Cézanne qui imposa une nouvelle flèche à la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de sa restauration au XIXe siècle. La partie haute, fixée à une poutre métallique ornée de la croix de Saint-André, présente un atelier verrière assis sur un oriel. Et la partie basse est consacrée à l'habitation. La porte d'entrée est décorée de fleurs de lys sur un bois clair avec un heurtoir médiéval. L'arc en cintre offre un claveau orné d'un sobre écusson entouré de feuilles de laurier. Il repose sur deux culots présentant des marmoussés tirés du bestiaire fantastique et dévoile une imposte en demi-lune partagée par un meneau. C'est un des bâtis les plus intéressants de la rue. De nombreux peintres, connus et moins connus, ont fait la réputation de la Plaine Monceau. C'est pourquoi ils sont à l'honneur dans mon livre, également les sculpteurs, entrepreneurs et aventuriers, architectes, jardiniers, romanciers, journalistes, comédiennes, musiciens, céramistes et ferronniers d'art. L'architecte Stéphane Sauvestre a beaucoup officié sur la Plaine Monceau, avec de très très belles réalisations. Malheureusement, beaucoup de ces constructions ont disparu. L'arrivée de l'ascenseur a favorisé l'immeuble haussmannien de 6 à 7 étages et a rentabilisé ainsi les parcelles. Certains se sont bien intégrés entre deux hôtels particuliers qui pour beaucoup ont été surélevés, pas toujours de façon esthétique. Des rues entières ont subi des massacres architecturaux. Il semble désormais que le respect des constructions emblématiques du 19e siècle frappe les consciences, mais certains architectes pourtant conservent le paysage de la rue et restructurent tout l'intérieur, faisant disparaître à jamais trumeaux, boiseries, cheminées d'époque, pour faire place à des plateaux d'avocats, de gestionnaires, d'assureurs, de notaires. L'hôtel particulier a vécu. Les familles bourgeoises ont vu leur espace réduit, leurs biens divisés en appartements distinctifs, étage par étage. D'autres voies sont à votre portée, donc vous suivrez votre guide avec son plan. Partez à la chasse au trésor, retrouvez ce passé qui constitue une part de nos racines et que nous devons conserver et protéger dans toute sa beauté. Attention, les guetteurs de l'ombre nous épient éternellement. C'est tout un peuple de pierres, figées, une armée de marmoussés, de mascarons et de lions qui anime désormais votre paysage urbain. Il faut lever la tête, regarder toutes ces pépites, elles sont à votre portée, et laissez-vous captiver par la vision de ces façades pittoresques, évoquant plus d'un demi-siècle de vie parisienne. Avant de vous quitter, j'exprime aussi ma gratitude à Jean-Charles Audelet-Gruau qui a encouragé cet ouvrage, aux éditions Magellan et compagnie dirigées par Marc Wills, à Nariman Koubache qui a assuré la conception graphique de mes écrits et photos, tout en respectant mes désirs. À vous tous, merci.